Voilà les jeunes éléments qui s'élancent, des poulains de 3 ans au départ de cette compétition, le prix des Acacias. Favori est bien parti au deuxième poteau, on assure tout à l'extérieur avec Ferney Voltaire qui peut être assez délicat. Et on est bien parti côté corps avec Flash de Joude. Flash de Joude, Flying Moko, aux deux premières places, talonné de près par le numéro 2 Feder de Banville, par Ferney Voltaire qui progresse à l'extérieur, le numéro 4. Et qui est placé en tête maintenant par Yannick Bruyant, alors que les concurrents abordent le premier tournant. Ferney Voltaire qui prend les choses en main en deuxième position, Flying Moko, troisième place côté corde pour Flash de Joude, quatrième Feder de Banville, repris maintenant par Romuald Maurice pour ne pas rester né au vent. Ils sont suivis par First des Charmes, Fendon de Pelmer et le favori Fresno qui est actuellement au dernier rang. Les quatre premiers en file indienne en face pour un premier passage, la ligne droite du bord de mer, Ferney Voltaire qui assure le train à deux longueurs de lui, Flying Moko, troisième place pour Flash de Joude, mais on se rapproche avec les concurrents des 25 mètres, First des Charmes qui vient vite. Profitant du peu de rythme imprimé par les premiers, First des Charmes qui se rapproche, ramenant Fresno, le favori numéro 7. First des Charmes qui vient se poser maintenant à hauteur de l'animateur Ferney Voltaire, Flying Moko qui reste derrière eux en troisième position, Fresno qui s'est rapproché, Fresno qui va peut-être contre-attaquer. Fresno qui est un petit peu contraint de progresser à l'extérieur pour l'instant puisque First des Charmes a pu se rabattre dans le dos de Ferney Voltaire. Fresno le favori qui fait le travail. Qui est suivi par Fondon de Pelmer. Donc en dernière position se retrouve maintenant Feder de Banville. Les sept concurrents sont assez groupés. Après un tour de piste, notons que Flash de Joude à l'arrière est un peu brillant. Ferney Voltaire qui a toujours l'avantage, mais le favori se rapproche désormais Fresno. Venant maintenant deuxième aux côtés de First des Charmes en quatrième position Flying Moko devant Fondon de Pelmer. Passage devant les tribunes. Yannick Briand avec Ferney Voltaire a plutôt laissé glisser. Pour l'instant, First des Charmes le suit. Fresno qui a pu se rabattre. Il est désormais troisième côté corde. Légèrement détaché de Flying Moko, Fondon de Pelmer, Feder de Banville et Flash de Joude, le numéro 1 qui ferme la marche. On entame une nouvelle fois le tournant du loup à environ 1200 mètres de l'arrivée. Pour le numéro 4, Ferney Voltaire, toujours marqué de près par First des Charmes et Fresno. Fondon de Pelmer qui vient maintenant en quatrième position à l'extérieur de Flying Moko. Alors que Feder de Banville suit Fondon de Pelmer dans sa progression et c'est maintenant l'As Flash de Joude qui se retrouve au dernier rang. Dernier passage en face pour Ferney Voltaire qui essaye de faire jouer sa dureté. First des Charmes le suit toujours. Fresno qui est troisième. Scott Martens ne veut pas se laisser enfermer, il s'est légèrement décalé. Fondon de Pelmer vient en quatrième position. Les trois premiers qui ont nettement accéléré maintenant et qui se sont détachés des autres. Les trois premiers qui ont pris une sérieuse option avec Ferney Voltaire qui au bout de la ligne en face a toujours l'avantage devant First des Charmes. Et Fresno, le favori qui est en train d'attaquer désormais. Christophe Martens qui demande à Fresno d'accélérer. Fresno qui vient à hauteur du numéro 4 Ferney Voltaire. Ils sont toujours suivis par First des Charmes. Et ces trois concurrents qui possèdent maintenant plusieurs sulky d'avance sur le reste du peloton. Mi-tournant final avec Fresno qui vient à hauteur de Ferney Voltaire. En troisième position First des Charmes. Et les autres sont beaucoup beaucoup plus loin avec Flying Moko, Fondon de Pelmer qui a dû décrocher sur faute. La victoire va se jouer entre Ferney Voltaire côté corde, Fresno à son extérieur et First des Charmes. Est-ce que ce dernier va pouvoir revenir sur les deux premiers? Fresno qui affiche ses ambitions maintenant et qui passe à l'attaque. Ferney Voltaire semble battu. Attention à First des Charmes qui va tenter de se relancer même si Fresno pour l'instant semble inapprochable. Le numéro 7 Fresno qui s'en va accueillir un nouveau succès, le troisième de sa carrière. Que n'a pu mettre en doute First des Charmes, le 6 qui devra se contenter de la deuxième place. L'animateur Ferney Voltaire, le 4, sera troisième. Et à plusieurs longueurs d'eux, la quatrième place sera prise par le numéro 3, Flying Moko. 7, 6, 4 et 3. Et une victoire d'un poulain prometteur hein, qui avait déjà montré son talent, notamment à Lyon-Paris. Et qui, pour sa première cagnoise, s'est imposé avec style aujourd'hui devant un bon First des Charmes. Les concurrents des 25 mètres hein, qui ont nettement dominé leurs adversaires, l'animateur Ferney Voltaire devant se contenter en retrait des deux premiers de la troisième place, il n'a nullement démérité. Puis beaucoup beaucoup plus loin, Flying Moko, le numéro 3, qui prend donc la quatrième place. L'arrivée 7, 6, 4, 3 et As pour les 5 premiers de ce prix des Acacias. A tout à l'heure.